وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Celui qui connaît Allah, il goûte au plaisir dans ce monde déjà. Il goûte à la douceur de la foi. Cette douceur-là, celui qui la goûte, il est prêt à sacrifier tout ce qu'il y a dans le monde pour ne pas la perdre. La douceur de la foi, c'est un paradis déjà sur terre pour la personne qui la goûte. Et celui qui a peur de comparaître devant son Seigneur aura deux paradis. Certains ont dit, c'est-à-dire un paradis sur terre et dans l'au-delà. Son paradis sur terre, c'est cette douceur qu'il a goûtée dans la foi, dans l'obéissance d'Allah, dans la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les plaisirs qu'il trouve dans les actes d'adoration. Comment vous pouvez expliquer que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté des heures debout pour prier pour Allah subhanahu wa ta'ala alors qu'Allah lui avait pardonné ses péchés passés et futurs? Comment vous pouvez expliquer que Uthman ibn Affan, il lisait dans Salat al-Witr, il lisait tout le Coran, dans une nuit, tout le Coran? Comment vous expliquez que Abdullah ibn Zubair, il fait la Salat, des murs s'écroulent devant lui, il ne bouge pas, il ne bouge pas? Comment vous expliquez que certains compagnons, ils sont en salat, ils ont reçu des flèches, ils continuent la salat, ils ne sortent pas de la salat. Il a des flèches dans son corps, il continue la salat. Comment vous expliquez ça? Imaginez-vous, quelqu'un, il prend le plus grand plaisir de ce bas monde, il reçoit des flèches, il continue. Ces hommes-là, ils reçoivent des flèches, ils continuent la salat. C'est que vous compreniez un petit peu qu'est-ce que ça veut dire la douceur dans l'adoration et la douceur de la foi.